Bonjour Pascal, alors aujourd'hui tu es avec nous dans le cadre d'Il était une fois le monde project. On est à Brocéliande. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur l'énergie qu'on a ici et j'aimerais aussi que tu nous parles un petit peu de toi. Ah, vas-y, lâche-toi. Se lâcher, c'est toujours quelque chose, n'est-ce pas? Donc, je m'appelle Pascal Lamour, mon nom druidique c'est Liam en Engoun. Et donc, ici, on est à Brocéliande, effectivement. On est au Val sans retour. On est sur le lieu de l'arbre d'or. Et donc, ce qui est important ici, c'est que on a cette énergie dont tu as parlé et qu'on ressent, effectivement, qui est ancienne, qui est historique. Mais en même temps, elle est symbolique parce que l'arbre d'or, ça représente cet endroit qui a brûlé et qui a été replanté avec des aides diverses, mais qui a été replanté. Et on retrouve aujourd'hui cette énergie, et c'est pour ça que je vous ai emmené dans ce lieu qui pour moi est extrêmement important, qui s'appelle le Val sans retour, l'arbre d'or. D'accord. Alors toi, tu es d'ici, tu es breton, on en a parlé déjà ensemble dans la voiture. Comment tu es arrivé à devenir druide en fait? Est-ce que tu peux nous développer un peu à ce niveau-là? Je suis pas arrivé en fait à devenir druide parce que j'ai encore beaucoup 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 de chemin à faire et à chaque fois que j'avance je me dis merde il m'en reste encore quand même pas mal. C'est-à-dire plus on sait moins on sait finalement. Alors mon histoire elle est un peu rigolote dans le sens où moi j'ai jamais voulu devenir druide, c'est que ça m'est arrivé d'une manière un peu étrange, à savoir que dans ma famille bon tout le monde parle breton, tout le monde s'intéresse à la tradition etc. Et mon enseignement a été plutôt philosophique et musical dans un premier temps, musique traditionnelle. Et un jour j'ai croisé quelqu'un dans la rue, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 12-13 ans, et qui m'a dit « Toi, je veux te voir demain matin et j'ai quelque chose à te dire. » Et donc, le lendemain, je suis allé. Mes parents m'ont dit « Non, non, il ne faut pas y aller. » J'ai dit « Si, 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 je vais y aller. » Et je suis allé et voilà, et c'est comme ça que j'ai été initié, puis j'ai suivi le chemin, puis je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, la vie d'un druide, c'est quoi? La fonction d'un druide, c'est quoi? La première chose, c'est qu'un druide, c'est un gars qui vit dans son monde, dans le monde. Dans le monde d'aujourd'hui, le druide, c'est un personnage qui est complètement contemporain. Voilà, je vis comme tout le monde, je m'habille comme tout le monde. Sauf que la chance qu'on a, c'est qu'on est issu d'une tradition extrêmement ancienne. Et notre rôle, c'est à la fois de la comprendre et c'est aussi de la transmettre. Et pour moi, ce qui est important, c'est qu'on a une philosophie qui est liée à une histoire sur une terre. Et on a toute une symbolique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'enseignement qui va avec. Et aujourd'hui, je ne suis pas druide quand je fais des cérémonies ou quand je suis comme ici avec vous. Je suis druide quand je me lève, je me suis druide quand je me couche et je suis druide aussi quand je dors. Et pour moi, c'est la transmission d'un savoir qui est lié à une terre qui est sous nos pieds ici et qui a une langue symbolique qui est pour moi le breton, mais qui peuvent être toutes les langues celtiques, et qui m'oblige d'une certaine manière à transmettre parce que on a la chance d'avoir ça. J'ai eu la chance de recueillir ça. Ça me sert pour moi-même et j'espère que ça peut servir pour les autres. C'est ça pour moi être un druide. Le druide dans la tradition antique, c'est quelqu'un qui s'occupe de la fonction sacerdotale du monde celtique. Donc mon rôle aujourd'hui, plus précisément, c'est la fonction sacerdotale. Ça veut dire que j'organise les cérémonies, je fais les rituels et je participe à tout le monde spirituel druidique celtique. Mais je l'applique aussi dans le quotidien, dans ma musique, dans mes écrits, dans ma pensée, dans mes rapports avec autrui et dans les réponses que je peux apporter aux questions que vous allez poser maintenant, j'espère. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tu parles beaucoup de cette notion de terre, de territoire. Tu es attaché énormément en fait à la terre bretonne. Alors, est-ce que tu peux un peu développer à ce niveau-là? Pour moi, il y a une seule terre qui appartient à tous et on est tous sur la même, sauf qu'il y a des endroits sur cette terre qui correspondent à des individus. Et notre tradition est en rapport avec notre terre. Ça ne veut pas dire qu'on a une meilleure terre ou une meilleure tradition que les autres, ça veut juste dire qu'ici, la terre celtique, moi, me parle, c'est celle qui est sous mes pieds et j'y suis attaché. Mais quand on pousse finalement l'aspect purement ésotérique, spirituel et philosophique, on se rend compte qu'il y a d'autres terres qui correspondent à d'autres gens qui sont en accord avec cette même terre, et c'est ça qui m'importe, c'est d'être en accord avec ses racines, mais on dit tous la même chose finalement. C'est-à-dire que la terre est bien à tous, sauf que il faut être bien à l'endroit où on est. Et moi, je défends ma terre parce que je suis bien à l'endroit où je suis. Et c'est ça qui fait que la terre est à tous. C'est qu'on a tous une place, il faut juste être en accord avec la place. Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as parlé rapidement d'ésotérisme. Est-ce que tu peux développer justement sur ce que tu as appris au fur et à mesure des années sur cette tendance-là ou cet univers-là? Alors tu m'as posé une première question, tu m'as dit c'est quoi un druide? Et tu aurais pu m'en poser une deuxième à laquelle je vais répondre. C'est quoi le druidisme?
Voilà. Voilà. Et en réalité, ta question, c'est ça. Ça veut dire que le druidisme, c'est un ésotérisme occidental. Et un ésotérisme, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose qui est secret, c'est quelque chose qui permet de passer du stade de profane à l'état d'initié. Et pour passer à l'état d'initié, il faut être initié. Et ce qui est secret ou ce qui est propre à l'ésotérisme, c'est l'initiation. Donc on dit que le druidisme, c'est une démarche initiatique. Ça veut dire qu'on va passer de l'état profane à l'état initié au travers de l'initiation. Et c'est en ça que le druidisme est un ésotérisme. Qu'est-ce que c'est l'initiation? C'est juste d'être reçu par les autres camarades du druidisme, les autres druides, qui vont constater que vous êtes bien druide, que vous avez fait votre serment devant tout le monde. Donc c'est quoi une initiation? C'est un serment à un moment donné devant des témoins, comme peut être le baptême pour les chrétiens, par exemple, pour donner un exemple que tout le monde peut comprendre. C'est « Ah bien monsieur, bonjour, maintenant vous faites partie de la communauté parce qu'on vous a reçu en tant qu'initié et pour ça vous avez fait un serment devant des témoins. » C'est ça l'initiation. Et c'est ça qui est inoubliable dans la pensée. Et c'est ça le côté secret des ésotérismes, parce que les gens disent toujours « Ah ouais, mais les druides c'est secret. » Non, 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 il n'y a rien de secret. Vous pouvez tout savoir, tout lire, tout faire. Par contre, il faut le vivre. Et c'est la vie du druidisme qui pour moi est initiatique, donc secrète, parce qu'elle est propre à chacun. Au niveau de ce rite initiatique, est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est secret justement sur son déroulement en fait? Alors, je redis, il n'y a rien de secret. Les cérémonies se passent, il y a 4 grandes cérémonies par an. Il y a des cérémonies intermédiaires, il y a aussi des cérémonies familiales. Elles sont ouvertes à tous. La seule chose, c'est que pour pouvoir rentrer dans le cercle, c'est-à-dire qu'en fait, la cérémonie se passe dans un cercle qui s'appelle un éméton, qui est un lieu sacré, et pour y entrer, il faut être initié. Ça veut dire qu'il faut avoir fait cette partie initiatique. En revanche, tout le monde est accepté. Tout le monde peut participer, tout le monde peut venir, tout le monde peut assister. Après, il y a le côté sacerdotal de la cérémonie, c'est-à-dire celui qui va la mener et qui va la comprendre et qui va l'expliquer. Parce que ce qui est intéressant dans une cérémonie, c'est qu'elle serve à quelque chose et c'est que les gens puissent partir mieux qu'ils sont arrivés. Et quand je fais une cérémonie, les gens me disent, on n'a pas tout compris, mais on se sent mieux après qu'avant. Et pour moi, c'est ça qui est important. Tout le reste, c'est du blabla. Ce qui est important, c'est bonjour, on passe un moment ensemble, on partage ça, on se met en lien avec le monde environnant qui est la nature, mais qui est aussi les autres individus, toutes les énergies qui circulent, et à la fin, on est content. Et pour moi, c'est ça, une cérémonie. Après, je ne vais pas rentrer dans les rituels particuliers. La seule chose que j'aurais à dire par rapport à un rituel, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que vous pouvez tout avoir, tout est possible. Il suffit de savoir ce que vous voulez et il suffit de quelqu'un pour le demander pour vous. D'accord, je te remercie pour ta réponse complète. Aujourd'hui, nous, on t'a sollicité pour intervenir dans le cadre de notre présence ici. Quelles sont les autres sollicitations que tu peux avoir en fait en tant que druide aujourd'hui? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas druide que dans les cérémonies, je suis druide tout le temps. Donc à chaque fois que je suis sollicité pour quelque chose, enfin, en dessous, il y a toujours le côté druide. Donc en fait, tout est sollicitation druidique pour moi. Parce qu'à chaque fois, je dois être en accord avec la pensée, avec la parole et avec l'action. Et donc, au fur et à mesure, les gens commencent à connaître ma philosophie. Et donc, je peux être appelé, pour répondre là cette fois aux auditeurs ou aux regardeurs, n'est-ce pas? Je peux être appelé pour des conférences, pour des concerts. Parce que ma vie, c'est mon métier, c'est quand même d'être musicien. Je peux être appelé pour des conférences sur les plantes, parce que j'ai un doctorat de pharmacie, je suis pharmacien, docteur en pharmacie, donc les gens forcément m'appellent pour ça. Après, ça peut être des échanges comme on va faire aujourd'hui. Et puis après, c'est aussi des fêtes avec les potes, quoi. Pour moi, il y a tout, quoi. C'est, voilà. Mais tout est relié, quoi. Je suis tout le temps pareil. Je suis tout le temps content d'échanger et je suis tout le temps content d'avoir les questions aussi. Alors, j'ai une question qui me taraude un petit peu. J'aimerais savoir s'il y a un lien en fait entre l'Église et le druidisme, tout simplement. L'Église catholique roumaine, je précise. Ouais. Voilà, j'attendais que tu précises parce qu'une église, c'est un rassemblement, donc on est tous des rassemblements. Pour aller très vite, le druidisme est quelque chose de très ancien parce qu'on en a des traces à moins de 1000 avant Jésus-Christ, mais c'est probablement plus. Et donc précédent à l'Église catholique, chrétienne, romaine et aussi irlandaise, hein, parce qu'il y en a deux. Et au fur et à mesure, ces églises se sont imposées et ont récupéré nos traditions. Pas que les nôtres, mais en tout cas les nôtres. Donc c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage, parce que au travers des rites de l'église en Bretagne,
qui ont des saints qui ne sont pas reconnus par Rome, il y en a 2000, ont subsisté des croyances beaucoup plus anciennes. Et il faut savoir qu'en Bretagne, au XVIIIe siècle, ils ont fait venir des gens pour christianiser la Bretagne. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, XIXe siècle, la Bretagne n'était toujours pas chrétienne. Donc ça veut dire que finalement les traditions étaient restées. Et la continuité entre le druidisme et l'actualité, la période contemporaine, c'est tous les rites qu'on trouve au travers des traditions chrétiennes. Les traditions chrétiennes en Bretagne, je les diffère bien des traditions chrétiennes d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas la même religion pour eux, mais en tout cas les rites ne sont pas les mêmes. Et pour moi, c'est une trace qui m'importe. Et aussi, évidemment, ça me fait toujours marrer quand je dis à ma mère, tu sais, Sainte Anne, c'est la mère du Christ, la grand-mère du Christ, ok, mais c'est la patronne des Bretons, c'est Anna, la déesse du soleil. Et je suis content de voir que tu es encore une non-chrétienne de l'Occident. Pas mal, pas mal, pas mal. Et alors, pour toujours insister sur les Bretons, sur la Bretagne, est-ce que tu peux me parler un petit peu de votre langue bretonne, tout simplement? Bah, le mieux, c'est que je dise quelques mots. Ouah, c'est tu mets ta jibouza, ta patinha, d'une patraligne du noir. C'est tu mets ta jibouza, ta patinha, d'une patraligne du noir. Voilà, c'est ça ma langue. D'accord. Mais encore. Oui, donc, est-ce que tu peux me parler des origines de la langue bretonne? Est-ce qu'on a des acquaintances avec d'autres langages celtiques, par exemple? Oui, j'imagine que oui, mais détail, explique-moi. Dis-moi tout. Alors nous sommes dans un monde indo-européen, donc la plupart des langues occidentales ont une origine commune qui est indo-européenne. Donc les Slaves, les Baltes, les Hittites, les Grecs, les Latins, etc. Et donc les Celtes, qui ont commencé à émigrer en moins de 2000 avant Jésus-Christ, donc tradition indo-européenne en Europe. Donc toutes les langues ont un substrat commun. Le monde de nos langues à nous, ce sont les langues celtiques, le groupe des langues celtiques. Dans les langues celtiques, donc indo-européennes, comme les langues romanes en parallèle, nous avons deux branches, la branche gaélique et la branche britonnique. La branche gaélique, c'est le manxois, l'irlandais et le gaélique d'Écosse. Et la branche britonique, c'est le breton, le gallois et le cornique. Et nous, nous sommes donc la suite de cette branche britonique des langues celtiques indo-européennes, à laquelle on peut probablement relier le gaulois et le picte. Voilà, pour aller vite, parce que après, si on rentre dans les détails, les gens ils vont se dire, mais c'est quoi ce gars-là? De quoi il nous parle? Bah, c'est très simple, en fait, c'est qu'on a une langue qui est vieille. Alors, je te rassure, de quoi il me parle, c'est ce que je me suis dit quand tu as commencé à parler en breton, là. J'ai rien compris. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu m'as dit? Parce que tu étais en train de chanter, je ne sais pas compris, en fait. C'était quoi? Alors, pour te répondre, ma première langue, c'est le breton. Et j'ai appris le français après, puis l'anglais, l'espagnol, l'italien, etc. L'espagnol. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est, dans une langue, c'est quelle est ta démarche et comment tu peux penser? En français, on va pouvoir analyser, philosopher, conceptualiser. En breton, ça ne marche pas comme ça. En breton, c'est une langue pour exister d'une manière pratique, simple, vivante. On n'a pas besoin de l'intonation pour se comprendre, comme en français, si je dis « tu m'interviews », « tu m'interviews », « tu m'interviews ». Je ne dis pas la même chose. En breton, on n'a pas besoin de ça. On met le mot le plus important d'abord, et après, la phrase découle. Et c'est ça qui m'intéresse en breton. Et ce n'est pas toi qui décides les choses, ce sont les choses qui t'arrivent. Par exemple, si je dis en breton « j'ai soif », « si zo de dain », je ne dis pas réellement « j'ai soif », je dis « la soif est venue à moi ». Ce n'est pas moi qui décide. Et donc, vous pouvez comprendre absolument tout le monde qui nous entoure, parce qu'il faut penser le monde d'une manière complètement différente. On dit que dans un train culturel, la locomotive, c'est la langue. C'est bien pour ça qu'en Bretagne, on se bat pour la défense de notre langue, comme le font les Gallois ou les Corniques, ou tous les pays du monde qui veulent défendre leur langue. C'est pas du tout pour dire, ben voilà, on a une langue mieux ou on a une langue différente. C'est juste pour dire, si on n'a plus notre langue, on peut plus penser. Parce que notre schéma à nous, il est différent. Si je veux penser un peu rigolade, etc., un peu latin finalement, je vais penser en espagnol. Si je veux vraiment conceptualiser, je vais penser en français. Si je veux aller vite parce qu'il faut correspondre avec le monde, je vais penser en anglais. Et s'il faut vraiment faire quelque chose de redoutablement efficace, personnel et fataliste, parce que c'est aussi le problème de la langue bretonne, c'est comme c'est pas nous qui disons des choses, elles nous arrivent, et des fois on est un peu fataliste. Ce qui peut expliquer finalement que en 200 avant Jésus-Christ, tout le monde européen est celtique, et 200 ans après, il ne reste plus que les petites parties extrêmes d'Occident, à savoir le nord de l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles, la Cornouaille et nous. Ça pourrait être une explication, c'est que nous ne sommes pas des gens combattants, nous aimons le combat,
mais pour s'amuser en fait, pas pour vaincre ou pas pour convaincre ou pas pour combattre. Et ça se voit dans la langue, et c'est pour ça que les langues sont importantes. On dit qu'en Afrique, il y a une langue qui disparaît par jour, et je pense que c'est des bibliothèques entières, des pensées entières, des manières de voir, des manières d'aller, des manières de venir, des manières de partager. Et au-delà du druidisme, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une philosophie qui partage. Elle ne nous appartient pas, elle est à tous. Justement, donc, tu me parles de la philosophie, tu me parles de l'ésotérisme. Est-ce que vous avez des liens avec les autres formes d'ésotérisme, en fait? Est-ce que vous avez des échanges à travers le monde, parce que, et pas que dans le monde celtique? Alors, on fait partie d'une association des religions natives du monde. Donc, effectivement, on a plein de liens avec des ésotérismes essentiellement sud-américains pour moi, parce que j'ai mon fils qui vit au Brésil, et donc je suis souvent en lien avec les pensées sud-américaines, le candomblé, par exemple, ou des pensées comme ça. Après, les pensées chamaniques ne sont pas très loin des nôtres. Mais je pense que le rôle d'une initiation, c'est de passer de l'état de profane à l'état d'initié. Et l'initiation, elle amène tout le monde au même endroit. Et quand je parle avec des Indiens, ou quand je parle avec des Brahmanes, ou quand je parle avec des Africains, ou quand je parle avec des Sibériens, très vite on parle de la même chose. Et ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant en fait dans l'ésotérisme, et ce qui pour moi est fondamental, c'est qu'on va très vite de la réalité à quelque chose d'essentiel. On n'a pas besoin de tous ces codes, bonjour, tu vas bien, tu fais quoi, combien tu gagnes, où tu vas, etc. Non, non, on n'a pas besoin de ça, c'est qu'on se voit, on se regarde, on se dit trois mots, et hop, ça passe direct à l'essentiel. Un peu comme on a échangé ce midi à table, où on a parlé de choses très vite, comme si on se connaissait depuis tout le temps. En fait, c'est pas nous qui nous connaissons depuis tout le temps, c'est qu'on parle d'une chose qui est connue depuis tout le temps. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant. Et donc, oui, forcément, j'ai plein de liens avec les autres ésotérismes, et aussi avec les pensées ésotériques occidentales, comme les Rosicruciens, les gens qui... la franc-maçonnerie, etc., qui sont sans arrêt en lien avec nous, parce qu'ils voient très bien que nous avons une tradition qui est ancré dans une terre, et tous ces gens-là ont besoin des racines. Et ce sont nous qui apportons les racines. Justement, c'est vrai que j'allais y venir hein, par rapport à ces ésotérismes-là, qui peuvent parfois paraître pour des personnes un peu obscures. On peut se dire qu'effectivement, ils cachent des choses. Est-ce que tu as déjà eu à échanger là-dessus? Est-ce qu'on t'a déjà demandé sur des interventions de sortir les gens de ça? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, on me demande très souvent d'intervenir, effectivement, et là, c'est la Grande Loge de France qui organise ça, qui m'a demandé d'intervenir en tant que druide, qui se rend compte que, finalement, la spiritualité existe en dehors, et donc, ont décidé de faire une espèce de rencontre, qui va être l'objet d'un bouquin, où il y a un imam, il y a donc un druide, là, c'est moi, il y a un représentant de l'épiscopat, etc., et en fait, c'est pour voir, pour proposer, qu'on est tous bien dans la même spiritualité. Donc oui, j'interviens souvent. Après, la question sous-jacente que tu n'as pas posée, c'est est-ce que j'interviens pour sortir les gens de où ils sont? Oui, ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé plus facilement en Amérique du Sud, par exemple, par rapport au candomblé. Ça m'est arrivé plusieurs fois, où on avait des gens qui imposaient leur savoir. Or, le propre de l'ésotérisme, c'est le partage, c'est pas d'imposer. Bah écoute, c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Je te remercie en tout cas d'avoir eu pris le temps de répondre à toutes mes questions. On aura le temps d'échanger en off. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant qu'on clôture cette interview? Bah déjà, vous remercier d'avoir fait ce déplacement en Bretagne, dans notre pays, d'une part, et aussi remercier tous les gens qui vont écouter, etc., et qui vont partager, parce que sans les auditeurs et sans les gens qui viennent, nous, on n'existe pas. Et on peut partager sur Facebook ou sur mon site internet, donc www.pascallamour.com. Okay. PascalLamour.com. C'est noté, je te remercie.